côté le passé, yo dit yo pa ka aider parce que yo pa gen si yo pa gen ça. Jou jounen jodi a nou pa konn si dam sa vivant. Pourtant nou gade nou wè a gaman gen yon malaise ki pran. L'hôpital là tout près à là au lieu à là que l'hôpital général et nous t'attendons des azores nous parce que nous t'avons su bagarre en direct bon portion qui dit courir l'hôpital général avec bon portion dit non l'hôpital l'a fermé on a rentré dans la maison avec pendant ce temps nous ouais c'est un avion ambulance qui entre vin prend agrément qui va jamais utile payer en rien pour 19 000 dollars américains. Quand on est arrivé dans Jackson Memorial Hospital, nous ne savons pas combien de corps qui bagage après le coûter l'État haïtien parce que nous allons mettre les dans soins intensifs. Ce n'est pas 200 000 dollars à l'aise qui a sorti dans le peuple haïtien pour aller payer pour luxe pour monsieur. Si c'est comme ça, qui est dans l'hôpital qui est équipé en tant que pays, hein? Pour tout le monde jouer. Imaginez, pas bon ici, hein? C'est pas grave, on a fait toute la journée, toute l'année, c'est trop. Moi, je vais vous pour un monde, sortir Brooklyn, pour même Queen Favel. Je vais prendre exemple pour New York City. Côté de l'été, là, je vais l'hôpital là. Nous, même, nous, obligés, gens, de frontières, pour aller l'autre côté. Mais bon, qui est dans quitter salope? Qui est dans quitter méchant? Et nous, tellement méchants, méchants, c'est à peine une salope. Mais je vous dis, je ne vais pas dire rien contre monsieur, hein? Ni m'a demandé pour monsieur à mourir, mais moi-même, m'a dit, double standard ça, deux poids, deux mesures ça, faut qu'il suspende dans la société, hein, parce que tout le monde a droit à la vie. Et dit. Dans tout mauvais moment,
Chavob toujours été parmi les militants conséquents qui pas de jambes ni abandonné ni trahi l'île et puis qui pas de jambes marchandé j'ai folie à collaboration pour le toujours qu'un flambeau résistance flambe bien haut. Asroya, c'est qu'aucun chien militant vendant modèle qui a calé conviction politique solide, nous avons pu privilège accueillir sous ces roms, non, l'autre fois encore, pour le vin et d'analyser conjoncture politique pays. C'est comme ça, Nabdi Pachavob, un bel bonsoir, et puis bienvenue sous ces roms patriotiques. Bonjour, gros bonsoir tout pour moi, c'est toujours un plaisir pour m'avec vous. Je vous remercie chaleureusement pour l'introduction ça et l'autre ça. Je profite tout de micro-là pour nous lancer un gros coup de chapeau pour Pierrot, parce que je connais aujourd'hui à travers un monde pas que Pierrot a fêté l'anniversaire aujourd'hui. Et je connais son gros épaules liées pour vous dans tout ça que vous avez préparé comme émission. Je vais profiter de micro-là pour me dire Pierrot, un gros bon fait. Chaque côté du passé, yo dit yo pa ka aide parce que yo pa gen si yo pa gen ça. Journée aujourd'hui, nous pas comme si dame ça vivant. Pourtant nous garder nous ouais. Agamant gen un malaise qui prend. L'hôpital là tout près à là, au lieu à là gen l'hôpital général. Et nous t'attend des azores nous parce que nous t'a suivi bagaille en direct. Bon portion qui dit courir l'hôpital général à Velle. Bon portion dit non, l'hôpital là fermé. On a l'antenne à mettre à Velle. Pendant ce temps nous, ouais, c'est un avion ambulance qui entre vin prend agrément qui n'a jamais utile pays à rien pour 19 000 dollars américains. Ou bien l'élevé dans Jackson Memorial Hospital, nous ne savons pas combien de corps qui bagage à le coûter l'État haïtien parce que nous ne mettre les dans soins intensifs. Ce n'est pas 200-300 000 dollars à l'aise qui a sorti dans le même peuple haïtien pour aller payer pour luxe pour monsieur. Si c'est comme ça, qui est dans l'hôpital qui est équipé en dans le pays pour tout le monde jouer? Imaginez, pas bon ici, c'est pas grave, on a fait toute la journée, toute l'année, c'est trop. Moi, par exemple, pour un monde, sorti Brooklyn, procure même Queen Favel. Je vais prendre un exemple pour New York City. Côté l'été, là, je viens de l'hôpital. Nous même nous obligés, j'ai un peu frontière pour aller l'autre côté. Mais pour qui est dans quitter ça là? Qui l'a quitté méchant? Et nous tellement méchants, méchants, c'est à peine Vinzado. Mais je ne veux pas dire, je n'ai rien contre monsieur, ni je ne veux pas demander pour monsieur à mourir, mais moi-même, je m'a dit, double standard ça, deux poids, deux mesures ça, il faut qu'il suspende dans la société, hein, parce que tout le monde a droit à la vie. Et dit. Thank you.
rappelle, Branché, on a écouté Sérum Patriotique, émission qui passe chaque dimanche, sorti 6h pour arriver 8h à soir sur antenne Radio Timoun, avec chers amis ou camarades. Nous, moi, Jean-Michel, qui est en Vanyani, Sanik B, avant nous entrer dans l'autre segment, camarades, nous, collègues, nous, PL, apprenons que la population Trou du Nord prend la rue contre inculpé. Il a demandé pour M. Rachid Mayokli par terrain blanche. En bien, mes amis, nous voyons que si nous ramassons le caractère, nous toutes les vions seul jour, en bien, inculpé n'a pas bien l'autre choix, c'est dans le pays hein, pour le à l'école. Eh bien, nous avons entré dans le quatrième segment, nous, qui nous connaît, c'est côté nous chita, nous parler avec nos invités, c'est comme ça, il est sans démagogie. Je dis à inviter Sérum Patriotique, c'est Pacha Vob. Tout le monde connaît Pacha Vob, c'est un membre du comité exécutif qui a dirigé l'organisation politique Femme Navalas depuis plusieurs années. Le Pacha Vob a commencé à militer en dans le mouvement Navalas là, il n'est pas trop prêt pour le dégainer 20 années sous tête. Mais, dans la façon Pacha Vob a toujours performé sous terrain politique là, ça ne va pas prendre trop de temps pour nous. Pour tout le monde dérivé découvrir gros talent, conviction, détermination et loyauté, les gagnants dans l'État. Tout cadre en dans l'organisation, hein, tout militant, tout partisan et sympathisant en dans le mouvement, hein, toujours montrer un pile respect et admiration pour Pacha Vob, peut-être qu'il toujours devant dans toute grosse bataille famille Lavalas a mené, malgré vos difficultés, tout le monde connaît les gagnants. Dans tout mauvais moment, Pacha Vob toujours été parmi les militants conséquents qui n'ont pas de jambes ni abandonné ni trahi l'Itla et puis qui n'ont pas de jambes marchandé j'ai folie à collaboration pour le toujours qu'un flambeau résistance bien haut. À Souéa, c'est qu'aucun chaîne militant vendant modèle qui a calé conviction politique solide, nous avons pu privilège accueillir sous ces hommes, non, une autre fois encore. Pour le vin aider à analyser la conjoncture politique pays. C'est comme ça, Nabdi Pacha Vob, un bel bonsoir et puis bienvenue sous ces hommes patriotiques. Bonjour, gros bonsoir à tout pour vous. C'est toujours un plaisir pour m'avec vous. Et ma remercie chaleureusement pour l'introduction ça et l'olsa. Et ma profite de tout de micro-là pour nous lancer un gros coup de chapeau pour Pierrot, parce que je me connais aujourd'hui. À travers yon moun pam que Pierrot fête l'anniversaire aujourd'hui, et me connaît son gros épaules liées pour vous dans tout ça que vous avez préparé comme émission. So, m'a profité, Nicolas, pour me dire Pierrot, un gros bonnet, courage et puis solidarité. Pacha Vob, comme l'année yon passe bien vite, en pile moun kage tamblié, ça que t'es passé en d'un pays, en 14 l'année. Ou même qui t'a toujours été un Lavalassien conséquent, très loyal, est-ce que vous pouvez partager avec auditeurs l'expérience personnelle ou dans le moment où l'État kidnapping l'expatrie 2004 là, et puis après l'expérience terrible, ça, comment vous avez vu le moment retour Dr. Jean-Bertrand Aristide, jour qui était 18 mars 2011 là? Des bagailles dans la vie, on ne va jamais oublier. Bon, 29 février 2004, c'est certainement une date qui ne va jamais oublier, qui marque énormément. Non seulement je te rappelle d'abord de mauvais souvenirs parce que et moi, je viens de voir que le coup d'État a matérialisé. Pour qui ça? Parce que moi, je reçois un appel téléphonique directement de mon oncle qui était avec le président Aristide Lassalle. Et qui t'a annoncé que malheureusement, il t'a forcé pour y embarquer en dans l'avion, que n'y pas t'a rentré et que il t'a obligé suivre mon yo qui a forcé embarquer en dans l'avion. Et deux moments ça, qu'on y a, j'ai eu souvenir 91 côté que assassin, le guide des âmes 23, t'a envahi la ria. T'as tué le monde et consort, et c'est comme ça que le lendemain, le mois levé, malgré que j'étais déjà handicapé, pour encouragement à demain, moi descendre, pour m'aller constater ça que t'as pas passé vraiment, et comment ça t'a pas passé. Nous passons
vraiment des moments difficiles, et côté que des militants, des amis, qui ont pris de nous, qui ont dit nous qu'ils ont jeté eux, ils n'ont pas prêté, ils ont commencé à subir l'agression, ils ont commencé à attaquer eux violemment, et que si, vraiment, ça veut dire que c'est un moment de détresse et un moment difficile. Et suite à un moment difficile, ça, j'ai toujours cru qu'un jour ou l'autre, président Aristide Pape tournait parce que j'ai eu une chance à travers mon oncle, à travers lui-même personnellement, faire des échanges pour qu'on ait que le combat a continué. Et nous n'avons jamais abandonné. Et jour ça, je pensais que je vais arriver aussi. Il paraît en pile, mais il était arrivé aussi rapidement. Jour ça, lorsque je connais que la venue, le matin, je me préparé pour me recevoir. Et par rapport à handicap là, moi-même, je vais recevoir directement la caille. Et au moment que je suis sur route là, l'avion était déjà atterri. Mais c'est comme si son compte de fait. Personne ne va dire quoi, et puis c'est là l'avion atterri, télévision a baillé en direct. Et puis on voit subitement une mobilisation dans tout le quartier. On passe de Pétionville par Delma pour manger tabac. Et pour tout le côté, on passe mon abat bravo, yo content, yo pas qu'à quoi, yo pas vle quoi. Chaque qu'à courir, à courir, pour yo diriger vers l'aéroport. Et c'est là que le sentiment de joie a explosé, côté que moi dit, bon, voilà, je dis à la, combat noir a continué. Et nous pas qu'à baisser les bras, nous pas baisser les bras, et nous pas baisser les bras. Et c'est ainsi que, lorsque le président arrive à la Caraïbe, et que nous sommes là, que nous t'attendons, où tu vois une joie immense, foule ça, qui mène un jour comme dans la caille, qui me grimpe sous tout pied bois pour qu'on ait gagné dans la croix pour un papa Bouel, qui assure que j'étais dans la caille, que j'étais bien, que tout le monde bien, y'a pas de gagnant des autres, pas de roche qui voyait, pas de monde qui essayait de faire cette porte caille là, tout le monde simplement était venu mener la caille pour dire que j'étais bienvenu. Et des moments comme ça, c'est une fois dans la vie, seulement qu'on vit, on n'a pas vécu deux fois. C'était l'émotion, la joie, la fierté aussi, de voir que qui ça, président Aristide, peut représenter pour la majorité du monde. C'était quoi un leader? Et l'âme de voir un président Aristide, notre leader. Et c'était un gros moment. C'est un gros moment. Pachavo. Comme membre du comité exécutif organisation politique Fami Lavalas, où tu es là, les INIFA t'a créé. Où tu vives toute péripétie INIFA passée après coup d'État, kidnapping, l'expatrie 2004 là. 14 années après, l'ordonnance là a assisté Dr. Jean-Bertrand Aristide en personne qui t'a remis diplôme par 138 étudiants dans la cérémonie de graduation. Première promotion INIFA à hier dimanche 18 mars là. Qui c'est événement ça? Qui ça événement ça? Te vle dit pour vous? Et puis, qui sentiment qui t'a traversé au dans le moment calte qu'aucun tienne cérémonie historique ça? Moi, ça, c'est un moment de fierté, pas seulement pour moi, mais parce que pour tout parent qui m'ont INIFA. Étudiants, jeunes diplômés, jeunes médecins, jeunes avocats, jeunes infirmières. Et c'est un moment de fierté tout particulièrement pour le comité exécutif, hein, pour le conseil d'administration UNIFA, en toute intégralité, parce que régulièrement nous obligés à discuter, rencontrer pour nous prendre des décisions autour de l'avenir, futur. Toutes jeunes nous yon, capacité à des cours. Et au prime abord, ce qui est très important, c'est lorsque moi, le président Aristide, avec ton Jli, qui a fait discours, qui ça te représente à part émotion, yon, c'est de voir que dans la vie, il faut une vision, il faut une conviction de la vision. Là. Vision UNIFA. Commencé depuis le président Aristide, le président en 2000-2001, et même avant qu'il était capable peut-être déjà préparé, et de voir qu'en 2004, après coup d'État, monsieur, le premier côté que l'on a écrasé, c'est l'université, qui sont lieux sacrés, qui sont un côté que c'est l'éducation, c'est la transmission du savoir qui est faite dans l'université.
Et pour voir que le tout président Aristide, pendant que le rivé, il te dit tout le monde que Libéral a donné là l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait politique, mais priorité, c'est l'éducation. Et moi, étant donné que moi, je suis dans le lit, je suis dans la vision, je suis ouais, ça a été capable de faire avec les mêmes moyens, je suis ouais, ça a été capable de faire en face toute armada de mafia. Moi-même, je te dis, ah, je crois dans le projet ça, parce que le projet ça, c'est l'avenir. Je dis, Haïti n'a pas une université encore. L'université d'État presque fermée. Il y a quelques universités privées que nous avons montées sous une seule main. Et je dis, le président a essayé de montrer nos exemples encore. En 2011, il est venu, du éducation. Et en moins de 7 ans qu'on y a là, on a regardé 6 ans après, première promotion est absolue dans 3 facultés différentes. Et vision aller plus loin que ça, côté que c'est faute de moyens, faute de ressources humaines, qui fait que nous beaucoup plus loin, mais nous qui pour nous faire de UNIFA en université, en campus universitaire, côté que toute faculté ou majorité dans eux a bien pour représenter, et ceci avant longtemps. Pour UNIFA, Baïkal, des belles performances, dans un titan, tout coûte comme ça. Ça a demandé un pile d'effort, un pile sacrifice et un pile détermination. C'est à partir de cérémonie de graduation arrière dimanche 18 mars là, tout payant après le saisir à prendre, c'est Dr. Jean-Bertrand Aristide même qui a dirigé UNIFA comme président université. Parmi tous les grands savants et grands intellectuels haïtiens ou étrangers qui devinent pour décoller dans la formation étudiant UNIFA yo, pendant cette dernière année qui s'est passée, soit comme professeur ou bien dans présenter belle conférence. C'est maintenant apprendre que yo fait que l'on met Dr. Henry Ford comme doyen d'une grande université dans Floride. D'après vous-même, qui ça veut dire pour UNIFA à qualité formation étudiants UNIFA yo à recevoir? Mon cher UNIFA accueilli à Virginie, yo fait nommer le doyen. Et monsieur, c'est lui qui te fait une plus belle conférence sur la médecine dans l'université. Mais il faut me dire, ça peut être intéressant, et c'est pour ça, pour garder l'autour de l'UNIFA, qui ça, ça représentait pour l'UNIFA. Juste à l'homme dans la salle là, et que le docteur Ford a présenté, avec le docteur Bittard et le docteur Rousier, qui étaient là, puisqu'il était accompagné d'une équipe d'autres chirurgiens haïtiens qui a travaillé en Haïti. C'est pour te voir question que jeune étudiant en médecine ça a posé Dr. Ford. Le Dr. Ford sorti dans la conférence là, je dis combat ça, nous pas blaguer parce que moi choisi pour me voir niveau jeune étudiant ça en médecine. Question le pertinent, c'est des jeunes qui ont avenir devant eux et que moi dans bateau là m'a accompagné nous. Nous allons faire route là ensemble. So, je dis, c'est pourquoi on a deux volets. Un volet de fierté pour nos amis UNIFA qui a collaboré avec nous, qui a renouvelé nous, qui a constante communication avec nous et qui même devait participer dans monter curriculum, programme médecine en Haïti à tout, qui lui-même est fier et satisfait de rendement étudiant, de qualité d'enseignement que nous avons offert dans UNIFA, que tout professeur a offert dans UNIFA. Et ceci, et c'est là pour appeler le monde qui ne connaît, le président Aristide, c'est le monde qui remet l'excellence. A fait médiocrité, elle va servir avec ça du tout. Du tout, du tout. Du coup, il assure qu'avec patience et persévérance, il choisit mon lieu, une par une. Il discute le dialogue avec eux directement yon par yon pour que lui assure que moun sa yon que n'a pas écouté comprenne vision et comprenne que c'est l'excellence que n'a parlé. Nous allons bâtir moun yon avec les faibles moyens économiques que vous gagnez, avec un faible montant annuel, le maximum de savoir. Et ça, pour moi-même, je pense que c'est là que
son équipe qui a fonctionné ensemble, qui a travaillé, et tout le monde qui vient, qui chita dans l'équipe, là, autour de l'équipe, là, ouais, que nous là-dedans pour la bonne cause. Tout de suite après cérémonie, graduation, première promotion, étudiant Inifayo, à dimanche 18 mars, là, pendant le journal, les nouvellistes écrit un bel article pour féliciter Inifa et Dr. Jean-Bertrand Aristide pour bel travail ça. Pour voir comment Pi Blanchiste inculpé a fait esprit, lui fait un bruit courri pour dire que trois cas facultés de médecine qui existaient en pays n'ont pas légal devant l'État. En pile monde pensait c'est une manière pour pouvoir comprendre la guévenie sous Inifa pour calder bel travail de son faire. Ou même qui était là, les Inifa t'a créé, qui s'a occasionné auditeur pour être toute vie toute sous reconnaissance légale Université Fondation Dr. Aristide gagné devant l'État pays. Ouais, éducation, c'est pas un bagage que ni le conseil d'administration, ni le président Aristide jamais joué avec. Depuis le premier jour que nous avons commencé à faire l'inscription de jeunes étudiants, que nous avons recevoir, depuis le premier jour, ça, nous sommes déjà en constante communication avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé publique. Parce que nous avons commencé par la faculté de médecine. Qui a ça fonctionné, c'est-à-dire que l'Éducation nationale l'a dit en loin, en tant que ministre de l'Éducation et comme chapeau, et chaque ministère qui concernait dit un second rôle, dont le ministère de la Santé autour du rôle pour tout ça qui faculté de faculté de sciences infirmières. Nous avons obtenu autorisation consacrée. Le ministère a exigé une documentation, exigé des cours. Il n'est pas ça qui est obligatoire comme curriculum pour que nous-mêmes nous ayons responsabilité pour l'exécuter. Et pas aucun enseignement pour exécuter ou que nous allons exécuter, incluant pour que nous joignons pour Timonio des endroits pour le stage. Et là, à date du jour, nous gagnons toute autorisation de fonctionnement en tant que faculté, en tant qu'université même dans un premier temps, et pour chaque faculté individuellement, nous avons une autorisation de fonctionnement. Et il y a toujours gagné parce que j'aimerais dire là, rester à cap veille à la bonne marche de l'organisation de l'université, il n'est pas jamais quitté au monde pour la défaut pour dire que l'inan a un bagage qui est illégal ou l'absent a un bagage qui est illégal. Donc, tout ça, aucun monde n'a besoin de rien. Et je ne parle pas de ce que ni étudiant, ni parent étudiant qui l'a eu, j'aime bien parce qu'il y a une confiance qui construit entre nous et que je dis à là, c'est ensemble, avec concours, tout étudiant et tout parent, que nous menons pour une promotion sérieuse à où un diplôme en date du 18 mars. Gros événement historique qui passe dans l'INIFA 18 mars là, prend tout le monde par surprise. Parce que GNB jaloux et malparlant, c'est toujours voulu faire quoi? Le docteur Jean-Bertrand Aristide n'a pas aucune affaire, éducation, la régler tout bon prix. C'est simplement complot, la marine en bachal pour le carré retourner sous pouvoir. Au lieu pour malveillant, la applaudi, bel travail ça a cap fait là. Méchant l'hôpital choisi essayer la guévenie, n'en poser vieille question déloyale sous qui côté Dr. Jean-Bertrand Aristide joigne l'argent pour bâtir belle université ça. Ou même qui était là depuis la création fondation, qui sort qu'a dit non? Sous qui côté, alors vous dites que raison plutôt pour tabanon, sous qui côté financement pour création et fonctionnement INIFA a sorti? De toute façon, moi, je connais, jaloux a toujours existé parce que ça veut dire d'arriver à faire. Il y a même des millions dans le monde, il n'y a pas réussi même réfléchir à aller voir pour faire. Je dis à président ici, c'est de la vision, c'est un premier côté que vision se transmettre à la jeunesse en premier. Qui va vous transmettre à la jeunesse pour que la jeunesse elle même continue de travailler là? C'est dans l'université. C'est là que vous formez le monde en général. C'est là que vraiment, ou gagner une colonne vertébrale, et il y a, c'est dans l'université que l'absolu.
So, je dis à nous-mêmes, nous inviter et nous faire pendant des années, des journées pour tous, côté que nous invitons quand le monde, haïtiens ou étrangers, qui vivent dans nos projets. L'université, lorsque le président Aristide tournait, il était déjà commencé à construire avant 2000, parce que nous avons une première promotion qui était là en année 2002, qui, lui-même, n'est pas le président Aristide en 2004, et M. Nations Unies, il est sur l'université, il était metté étudiant à New York, ce qui est inadmissible dans n'importe quel pays du monde. Et je dis, lorsque le tournait, je te dis, éducation, et il dit université. Il dit, tu fixes un objectif pour l'ouvrir l'université à la même année. Il dit, depuis le premier jour, le lendemain que l'université, tout le monde s'était tel piquoira, tout le monde pour nettoyer le campus universitaire là. Une fois que nous finissons de nettoyer le campus universitaire là, nous avons un premier groupe de partenaires étrangers qui est rentré avec les Aristides, qui l'a chita avec lui, on m'a dit, monsieur, qui ça pour nous faire pour les deux? Monsieur dit, forme l'ouvert université là. Partenaires, ça y est, ils ont fait quoi, ils sont capables, ça y est, on est. Si ça a été qu'à coller pièce, il y a une clope, il y a collé pièce, il y a dit mes contributions donc, dans un premier temps. Dans un second temps, en Haïti, nous avons les plusieurs autres partenaires, comme PAPS, pour ne pas faire publicité, qui est pour personne, qui eux-mêmes, lorsque ils ont un congrès building de Campéa, qui est à la faculté de médecine, ils n'ont pas quoi dans le projet. Et il n'y a pas forcément même moment pour lui dire oui. So, ça nous fait, nous commençons l'inscription comme ça. Nous mettons prière à un prix qui était abordable et accessible pour tout le monde et qui est moins cher que toute université, ni en Haïti, ni dans l'île. Je dis à plus le monde qui paye dans l'UNIFA, il n'est pas dépassé 70 000 gouttes moins. Première année, lorsque étudiants commençaient à payer, qui ça pour que nous récoltions à nos plans, et puis nous faisons miracle avec lui, côté que c'est ciment, sable, gravier, que Samy, qui t'a fait cadeau, en bas, qui fait cadeau, ça n'a pas fait cadeau, nous pouvons continuer à se pendant 6 ans, ça y est, avec une certaine discipline, avec volonté, avec rigueur. Conseil d'administration avec le président et tout le monde pas accompagné, le citoyen ingénieur, tout le monde baille. Bon, ou pas d'accord, même boss maçon qui vient travailler au bail, le dit passer au pays, tout les tarifs, il y a promotion. Et c'est ainsi que nous commençons la construction. On l'appelle dans l'université. L'université a sous 7 ans, chaque année, nous construisons une salle de classe, trois salles de classe. Autant de salles, on est capable de se faire jusqu'à ce que Jodia nous a compris que nous déplacer cafétéria à tout, quittons salle de classe, nous faisons cafétéria au centre, auditorium, la fin de ça, que nous réussissons. Il y a toujours parlé nous mal, parce que nous faisons des bagailles qui sont bon, nous faisons des bagailles pour le pays, et nous transmettons le savoir à la jeunesse, et nous remettons sur le boîteau à la jeunesse. Parce que nous n'avons pas éternel. Mission pas nous sous la terre, nous choisissons comment nous pensons que nous devons faire. Et pour nous faire, nous-mêmes nous disons que je dis à nous pas qu'à aller et puis pour ne pas transmettre non seulement l'idéologie, mais pour nous transmettre le savoir, pour nous transmettre conviction et pour nous transmettre volonté de servir. Parce que le service à une communauté ou à un monde, ce n'est pas tout haïtien qui a fait aujourd'hui, parce que le scandale qui a fait dans le pays de corruption montre clairement que haïtien n'a pas dans sa vie. Ou, ça me dit le plus bien. Politicien n'a pas quoi dans sa vie population. Ayama dit 20 mars, là, ça fait une année, depuis qu'on voit Blanchisseur et Kipéa, c'est déguisé plusieurs assassins et terroristes avec uniforme policier BIM. Et puis, vous voyez, ils ont essayé de faire gros assassinats sur le tête embêtant Aristide. Dans un moment, ils étaient en route pour la CAIDI, après ils étaient sortis dans le tribunal. Malgré des gens qui étaient blessés par balle, tout comme les machines présidents, la presse GNB-Slan, c'est fait comme si ce n'était pas
en rien et puis gain Pamio qui t'est même rivé déclaré c'est la valance qui t'est fait propre montage. Comme société hein, te permettre quoi passer pour voir tête calé à une senti la l'aise pour te faire gros massacre dans Akaye, de la voix à Grand Ravine. Sans compter retourner acclamer sanguinaire et puis bouler marcher pour marcher pour capable casser remobilisation contre escamoter l'argent pétro-caribéen. Qui intérêt ou penser que la cause en pile faux démocrate, djihadiste, hypocrite, plus préféré pour coup d'état man assassin escamoter yo, t'a toujours été sous pouvoir, au lieu pour lâcher ou t'a quitté la valance, gagner une élection normale avec bulletin vote nous dans main. Soit de moi, il y a un pile voleur là-dedans, il y a un vol historique, tout là-dedans. En tout cas, c'est que je dis, il faut prendre la réalité à vous saluer. Pour voir l'économie que vous concentrez, on s'en répondait. Il y a un groupe de monde qui prend un pays qui a même gagné la majorité de l'argent payé. Et même ça, qui s'actement, c'est pouvoir. La valance peut représenter un pouvoir populaire, yon même, yon pas considéré peuple-là tant que monde. Et ceci, sous l'ensemble, pour garder le pays avec des yeux sereins, pour capable de comprendre dans quelle situation a évolué aujourd'hui, on voit que. Yo carrément cassé tête tourner pour nous tourner à l'empire ou à la colonie ou à l'époque de l'esclavage. Parce que je dis à l'époque que mon yon y réfléchit pour le peuple, yo voulait réfléchir pour mon yon. Yo voulait réfléchir pour le peuple là pour dire mais ça bon pour le peuple là et non peuple là pour nous ça bon pour lui. Yo annulé le système d'éducation dans le pays complètement pour assurer yo que sa transmission de savoir ça pour vrai. Pour vivre dans l'université, dans l'université aujourd'hui, pour que à la base, la population va joindre encore. Niveau éducation disparaît, pas l'éducation encore. Il existe. Professeur, formateur, encore. Avec une société, il y a des habitudes, côté que mon niveau de pouvoir économique, le tableau, considéré peut-être un leader pour l'accompagner. Je dis à lui jouer un rôle d'oligarchie, côté Clivin Plan pour le mettre dans le poche pour la laver. Je ne pas investir dans le monde. Différent ça qui gagne nous-mêmes dans la famille Lavalas qui ont vision et idéologie populaire, côté que dès le départ, on voit la différence, côté nous parler avec tout le monde. C'est lorsque le président ici a dit que le problème dans le pays, c'est l'exclusion, la solution, c'est l'inclusion. C'est de ça qu'on t'a parlé, de ça qu'on a passé aujourd'hui à là. Lorsque on a regardé aujourd'hui que même l'élection, on n'a pas voulu que mon avis c'était peut-être parce que il prend presque 20 ans. Il ne faut pas mettre tout le monde depuis l'année, on a même dit 90. Depuis l'élection 90, il y a un groupe de monde qui a réfléchi pour comment on retire l'élection. Pour ne pas une course populaire encore côté que ce n'est pas majorité à le voter. Il y a pour 20 ans, ou 10 ans, 14 ans, pour arriver à 2004. De 2004 qu'on y a là, il y a arrivé en 2006, côté ces dernières fois, la population a exprimé voté librement. Après ça, toute élection qui a fait et qui pourrait continuer à faire dans conditions, ça y est. Si la population n'a pas réveillé pour le lever dans le pays, elle choisit pour nous toujours parce que j'ai fait. Je fais un carte électoral, je dis au bail une adresse, je mets l'adresse là. Et en fonction de l'adresse là, il a choisi pour l'élection qui va pouvoir voter. Et la population aujourd'hui, elle n'a pas qu'à manger pour demander le payer pour ce machine. Pour le voter, pour le sortir. Les organes, pour le voler, pour la locale, pour le sortir Pétionville, pour l'aller et à Caen. Et qu'on sort, avec dit, nous pas nos systèmes électoraux,
monsieur, yo prend un système, yo, yo maîtrise le jeudi à travers carte électorale que yo paye chaque monde, que yo dit qui est obligatoire, et puis de là étant, il a choisi pour vous qui est si à placer, qui monde qui a plus l'argent pour acheter l'élection. Et, tant donné que vous connaissez, vous avez une haine viscérale pour le président Aristide. Parce que le président Aristide parlait la vérité. Or, de 90 à 2004, monde, fait tout le monde raconte le grand programme d'alphabétisation dans le pays. Pour que tout le monde soit capable de joindre un minimum de l'éducation pour être capable de lire à qui écrit. Je ne sais pas si vous réalisez. Même oui, vous attendez pour connaître si le programme ça existe toujours ou pas. Combien de monde qui a participé là-dedans toujours? Est-ce que vous cherchez des gens pour convaincre les gens pour venir participer là-dedans? Pour comprendre que l'éducation, l'éducation, c'est barrière développement. Pas de secret dans ce cas-là. Pas de secret dans le développement non plus. Moun. Je dis à une chance côté que vous visitez les États-Unis ou un pays qui a développé, qui s'est gagné à la base. Premier bagage, dans n'importe quel quartier pour aller, c'est l'éducation. Ou bon l'école, à différents niveaux, de maternelle jusqu'à l'université. Deuxième bagage qu'on joue, c'est la santé. Ou bon l'hôpital, tout côté pour gagner l'hôpital. Et il y a des accès, il y a considéré le monde comme monde. Dignité humaine a existé. Il y a défendre la cause de l'humanité. La priorité, c'est la solidarité entre les hommes. En Haïti, il y a une solidarité. En Haïti, je dis à là, c'est chaque monde pour tête. Et vous mettez le peuple dans une situation de vulnérabilité telle que je dis à la population, pas même comprendre ce qui a passé le jeudi. Pour qui ça? Parce que pas même y a accès à un plat manger par jour, je dis encore. La population pas manger trois fois par jour, je dis à une d'huile à manger soit une fois par jour, soit une fois chaque deux jours. Ah, c'est vraiment pénible. Hein? Du fait qu'il déboule les marchés en fer à Guérit-Lan, rapide dans ces semaines carnaval-là, te montré le monde entier que l'État haïtien pas possédé, même un grand pompier qui fonctionnait bien en tant que pays. AMA 20 mars là, maladie qui frappe Naoum Marcellus en dans la République là, montrer à clair que tout le monde qui vit en dans pays là, c'est un bon mois en vacances, tellement l'État corrompu, hein, pas gagner aucun système en place qui vous baille population en service la soignée. Semaine ça, nous apprendre que 50% malades dans l'hôpital général, c'est même maladie Naoum Marcellus là qui touye yo. Dans l'année 2003-2004, le gouvernement de la Valasla a débat le ministère de la Santé 16,6% dans le budget national pays. Et pourtant, je ne vous dis pas, pouvoir blanchisser un qu'il paye par le ministère de la Santé, pipiti passe 5% du budget national. Qui ça, ça veut dire pour sécurité à la soignée pour masse de monde qui est plus vieux? T'as le alarme d'avec ce que mon yon nom est à dessous côté yon résilient yon pour mien. Ça veut dire que, il n'y a pas même non logique de combat pour tête encore. Il y a aussi les arrivés pour mourir, à mourir. Pas même faire veiller pour y'a tout enterrer là, même parce que même comme ça que là, il n'y a pas de encore. Et, son problème qui est beaucoup plus profond que ça, moi, je pensais que, on touche un point. Ouais, quel type de monde qui a dirigé le pays aujourd'hui? Ou 16% que nous avons gagné dans l'année 2002-2003, contre 7% que nous avons gagné aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'équipe de la monde. C'est 3 milliards de dollars Petro-Caribé qui volaient après 11 milliards de dollars tremblement de terre 2010. Là. Dans toute l'argent, ça a eu autant de qui volaient à aller à chercher combien l'hôpital. Ou combien d'universités que vous consolidez ou que vous construit? Ou est-ce que vous avez même gagné l'idée de construire une université? Parce que je dis à Maud, il faut qu'on ait que
faculté de médecine a gagné autant d'étudiants pour te connaître lorsque tu es plus jeune, lorsque le docteur t'a produit pour tout le temps. Jeune, nous, on s'est allé, on peut aller. Là, on fait le minimum que après la faculté, si on joue un porte ouverte pour y aller, là, c'est aller. Ce n'est pas même le docteur avec infirmière pour être capable de combler l'hôpital dans le pays, il y a un nombre de l'hôpital qu'on a besoin pour bailler service à la population. Centre de santé communautaire, il n'y a pas même des monde pour être capable de mettre là-dedans aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque je regarde, parce que tout le monde a parlé de 3 milliards de Petro-Caribé, mais moi, je n'ai plutôt dit 14 milliards de dollars que le pays a, soi-disant, qui passait dans le pays a, de 2010 à aujourd'hui. Sans compter l'âge de la 50 qui a pris son nom pour des royaumes. Sans compter. Ça veut dire, ouais, ça veut dire, ne pas même entrer dans le fond de problème. Ou bien dollar 50, là. Ou bien effet de voyage. Ou plein. Plein de monde. Si nous faisons addition, on a même plus toujours. Mais si nous étions sous ça, qui était un effort qu'on est du grand public, pour être même volonté, on va gagner pour être capable même. Finaliser l'hôpital général là 7 ans après, tandis qu'avec conviction et volonté, le président Aristide Mondrôle a zonglé sans goutte. Il est arrivé là en 2011, l'université a commencé quelques mois après. 6 ans après, on a gradué promotion, mais nous avons une faculté de sciences juridiques qui l'a, nous avons une faculté de sciences infirmières qui l'a, nous avons une faculté de médecine qui l'a, nous avons une faculté de sciences qui l'a. Nous avons travaillé sur la faculté de l'agronomie, nous avons travaillé sur pratiquement 7 facultés qu'on y a là, en dans l'université, en 6 ans. Donc, une fois qu'on a une volonté et conviction et qu'on a servi le peuple, qu'on a servi le pays, pas de rien que nous n'avons pas réussi ensemble, peut-être ensemble. Mais je dis, tout le monde qui est sous pouvoir, c'est garder à quelle vitesse nous avons mis dans la poche gauche. Sans que poche gauche ne pas retirer pour aller dans la poche droite, pour me courir à l'époque, pour me mettre dans la poche droite. Tout. Je dis à c'est l'égoïsme pur et dur au sein du monde qui a dirigé nous. C'est peut-être, peut-être, peut-être. Peuple n'a pas existé pour eux. Et pour eux-mêmes, je t'arrête de retourner dans un monde au lieu que nous ne pas même dans le sous-développement encore, parce que nous n'avons pas existé en tant que monde. C'est là nous, je dis. Pacha, mon dernière question pour vous, avant que nous mettions bout dans l'interview. Il est clair que nous ne pouvons pas aller dans l'élection à coup d'état mande escamoté qu'on puisse aller, qui n'a pas de pouvoir d'état. Vous connaissez que la famille Lavalas n'a pas fait aucune démagogie sous dossier Chabiré Chaudière pour nous capoter pouvoir qu'on puisse blanchisser et qu'il paye. Et pourtant, ces hommes ont trouvé un comportement modélagué qui existait depuis plusieurs mois dans affaires mobilisation contre pouvoir tête calée. Qui s'est passé en la famille Lavalas, qui la cause nous pas qu'un bébé tombe sans prendre souffle, quand pour gens nous avons fait ça, dans le moment, nous avons organisé 56 journées de manifestation une après l'autre. Moi, je ne sais pas rien qui passe en la famille Lavalas. Famille Lavalas, ou toujours qu'on aime, ou toujours qu'on aime, les là pour accompagner la population. Il n'a pas accompagné la population depuis toujours, il n'a pas continué à accompagner la population, il n'a pas fait toujours. En dans l'organisation, nous-mêmes, je dis, nous continuons à travailler pour nous continuer à mettre structure avec fondation, avec colonne vertébrale, pour que jeunesse la continue à bataille là. Bataille politique par Jean Petit et par Jean Sept en même temps. Autour du comité exécutif, là, nous montons les commissions, commission antifamille, commission communication, commission juridique, commission politique. Toute commission sérieux a travaillé. Et toute commission sérieux, c'est eux qui prennent le bail de la population en confiance. Parce que l'on a une population qui a plusieurs dirigeants qui tout apprendre que nous voulons dire même c'est Lavalas, mais nous n'avons pas famille Lavalas, ils veulent créer confusion pour être capable de faire travail pour voir pour lui. Pour assurer que mobilisation, après, parce que le peuple haïtien, quoi dans l'entente, quoi dans l'union, c'est la force.
li kwen nan tèt ansanm. E je di a tou, li pa nan konfijyon, parce ke situasyon deja malouk pou li, li vle asyouel ke lèl monte bato a, kapten ki men bato a kap mene yo a li, kap mene yo a bon bon. E se pati entere personel kap jere ni kap regle. Se nou men an dan fami la valas, avek militant, komite ekzekutif, ke tout komisyon sa yo ki kreye, nan fè refleksyon sou koman pou nou remete populasyon an konfians, pou nan jwenn li la ka li a traver ti fami yo. Ti fami se li kolon vertebral organizasyon. Komisyon ti fami an sou pie, li sou beton, li nan la wi, la vizite tout depatman, tout seksyon komunal, tout seksyon rural. Malgré le fait moyen de nous gagner, n'a pas cherché véhiculer l'information à travers tous les médias que nous sommes capables de véhiculer. Mais j'en connais un gros média privé tout partout. Hein. C'est pour un secteur privé qui lui-même pas souhaité de se coller avec Famille Lavalas. Parce que Famille Lavalas, bon rêve pour les peuples haïtiens. Bon rêve que tout le monde vive dans le monde. Bon rêve que tout le monde soit à l'école. Bon rêve que demain matin, après bon pour tout le monde, il y a besoin de la manger, il y a besoin de la santé. Et développement pays, qui fait le plus permettre, ma produit une femme comme des gens l'autre fois. Fraction nous, qui n'a pas été à l'école, que maman et papa, qui chauffent un taxi, qui marchent dans la bonne, puis intelligent, parce que petite femme, à l'école. Parce que je dis à si moun sa yo son kombalye permanent pou yo jodi a, si ap chèche ou ti yo, maman yo, papa yo, fami yo, petit yo, nan, mizè ke ap viv jodi a. Sou yo pre edukasyon avèk kèr, e yale trè lwen la dan. Se yo pou fòs pou demè, e se kret sa ke moun sa yo gen, ki fè yo vle asume yo, ke yo eklate sistem edukatif pe ya, pou ke petit nou yo, pa jwen, pe, de l'instruction. Pacha, vraiment, c'était un coquin chaîne plaisir avec tout un gros coquin chaîne privilège pour nous accueillir une autre fois encore sur ce rôme patriotique. Nous connaissons que l'auditeur soit en pile plaisir pour autant de belles analyses chargées avec un pile ce rôme que vous portez pour vous à souhait. Et même là, nous connaissons c'est pas la dernière fois que nous avons comme invité. Mais quand même, faut que nous disons merci en pile parce que vous toujours mettez nous disponibles chaque fois que vous avez frappé n'importe où. Et pour nous finir, nous avons simplement dit un bel bonsoir et puis à la prochaine. Et faut que nous disons depuis qu'on y est en Pacha, auditeurs qui sont étrangers, pays étrangers, ont commencé à vous voyer texte pour moi pour vous dire comment vous êtes contents de vous et vous fiers de vous-même. Moi, ça fait plaisir, toujours disponible. Jean-Marie Dolan, son combat qui n'est pas petit, avec solidarité avec les peuples haïtiens, dans mes têtes ensemble, pour nous assurer nous, que nous chavirons aujourd'hui. C'est ça. Qu'est-ce que tu as dit?